Bonjour à tous, je suis Did Guitar, formateur MAO du site tuto-mao-guitare.com. Je suis très heureux de vous présenter cette formation complète sur le nouveau synthé virtuel d'Arturia, j'ai nommé le Matrix 12V. L'équipe Arturia continue la recréation de synthés type analogique. Toute l'équipe Arturia est très fière de ses recréations, autant au niveau du son que de l'ergonomie. Le Matrix 12V ne déroge pas à la règle. Il faut savoir que le Matrix 12 vient de chez Oberheim et à l'époque, en 1985, il était vraiment le point culminant des synthétiseurs analogiques. Il avait des années-lumière d'avance sur ses concurrents. Faisons un petit historique d'Oberheim. Au début des années 70, il n'y avait vraiment que deux fabricants, Moog et Arp. Ces deux marques ont surfé sur la vague d'innovation technologique pendant plus d'une décennie. C'est vers 1975 que débarqua des synthétiseurs vêtus de blanc, qui s'appelaient Oberheim. En plus de leur apparence unique, ils proposaient des fonctionnalités différentes avec un son allant du plus mielleux au plus agressif. Il y a eu beaucoup de recherches et de travail pour la conception du Matrix 12 d'Oberheim. Il faut savoir qu'à l'époque, en 1970, il était impossible de pouvoir jouer plus d'une note simultanément et donc de pouvoir jouer des accords. Tout changea avec l'arrivée de l'ARP 2500 et 2600, allant jusqu'à deux voix, deux notes simultanées, puis 4, puis 6 et enfin 8. Oberheim a mis pratiquement 10 ans pour concevoir le Matrix 12. En plus du clavier 5 octaves et des deux leviers de modulation, de nombreuses fonctionnalités importantes furent ajoutées, comme le multivoice, l'implémentation complète MIDI et un paramètre de désaccordage par voix. Chacune des voix double oscillateur du Matrix 12 proposait le même filtre contrôlé en tension par VCF à 15 modes, ainsi que 5 enveloppes et 5 LFO oscillateurs à basse fréquence. Il y avait aussi un processeur de lag idéal pour le portamento, mais aussi 3 générateurs de tracking et 4 générateurs de rang qui servaient par exemple pour des délais de modulation. De plus, la matrice de modulation permettait tout type de contrôle sur le son final, des changements subtils jusqu'aux routages radicaux. Les modulations pouvaient même moduler d'autres sources de modulation. Comme d'habitude, l'équipe d'Arturia vous propose toutes les fonctionnalités du Matrix 12 et bien plus encore. Le Matrix 12 a été utilisé par Styx, par exemple, un groupe que j'adore, mais aussi par Queen, Depeche Mode, Jean-Michel Jarre et plein d'autres. Le Matrix 12V d'Arturia nous propose de la modélisation de synthèse FM et soustractive. MIDI, le mode d'assignation MIDI, nous y reviendrons dans le détail, mais sachez que tous les paramètres qui apparaissent en violet sont assignables en MIDI à un clavier maître, à un contrôleur. Enfin, nous avons une petite flèche avec le menu MIDI, qui donne accès à la liste d'assignations MIDI paramétrables, que l'on appelle des configs, configurations, et nous avons deux zones, la zone MIDI contrôleur config, avec la possibilité de copier la config actuelle utilisée, ou de la supprimer, mais aussi d'importer une config et de l'exporter. Le copy current config va nous permettre de dupliquer la configuration courante, lui donner un nom et de la placer en bas de la liste de config.
nous aurons également la possibilité de supprimer, d'effacer la configuration actuelle. Si vous avez exporté une config et que vous souhaitez la réutiliser, vous allez pouvoir l'importer directement ici. En dessous, nous pourrons exporter justement notre configuration courante pour la charger par exemple sur un autre ordinateur. Attardons-nous quelques instants sur l'assignation MIDI. J'ai mon clavier maître MIDI branché et je souhaite utiliser des boutons, des potentiomètres de mon clavier maître MIDI pour les assigner sur des boutons, par exemple, du Matrix 12V. Je vais cliquer sur MIDI ici. Vous voyez que tous les paramètres assignables dans le Matrix 12V sont en violet. Je vais choisir celui-ci. Vous voyez qu'en le choisissant, j'ai une petite case noire et j'ai cette fenêtre qui apparaît qui me dit mon bouton est prêt à être appris pour l'assignation. Je bouge mon bouton. Malheureusement, il ne se passe rien. Je vais fermer cette fenêtre. Je vais recliquer sur le bouton MIDI. Je vais retourner dans mes préférences et effectivement, j'ai activé pour mon clavier maître MIDI la fonction keyboard, mais pas la fonction des boutons. Et pour ce faire, je dois cliquer sur mon remote SL port 3. Alors bien entendu, si vous avez un autre clavier maître MIDI, il est fort probable que vous n'ayez qu'une seule case à cocher. Mais vérifiez-le quand même. Je reclique maintenant sur le MIDI assign, je clique sur mon paramètre et je bouge mon bouton. Vous voyez que maintenant, il est devenu rouge. Cela veut dire que mon assignation a fonctionné. Je suis en train de bouger mon bouton. Cela bouge le paramètre. Je peux fermer maintenant mon assignation. Et vous voyez que quand je tourne mon bouton de mon clavier maître MIDI, le bouton tourne en conséquence. Revenons sur l'assignation MIDI, toujours sur ce même paramètre. Sachez que nous avons le contrôle Change MIDI, ici 8. Et je peux régler un minimum et un maximum. C'est-à-dire que là, actuellement, il part de 0 et il va au maximum, à 1. Mais je pourrais dire, je veux partir de 0,66. Maintenant, quand je tourne mon bouton complètement à gauche, je ne peux pas descendre en dessous de 0,66. Et au maximum, je vais à ma position maximum. Donc sachez que l'on peut changer ceci. Et on peut même inverser, c'est-à-dire que si je tourne complètement à droite, j'aurai un minimum, et si je tourne complètement à gauche, j'aurai un maximum. Je tourne à gauche, j'ai un maximum, je tourne à droite, j'ai un minimum. Une fois que vous avez fait toutes vos assignations, et pour ne pas les perdre, vous retournez dans le menu MIDI, et vous faites Export. Current config. Comme ceci, au prochain lancement de votre Matrix 12V, vous pourrez recharger cette configuration avec toutes vos assignations.